Alors, en effet, j'ai parlé d'Antoine de Chabannes avant qu'il devienne comte de Dammartin, essentiellement, puisqu'il le devient en 1439, au travers de son itinéraire d'écorcheur, ce qui sera le moyen d'essayer d'esquisser peut-être un parallèle entre les routiers, hein, tels qu'on les a vus dans la seconde moitié du XIVe siècle, et puis cette activité d'écorcheur, l'écorcherie, qui a lieu entre 1435 et 1445. En effet, la conclusion du traité d'Arras entre Charles VII et Philippe le Bon, le 21 septembre 1435, n'arrêta pas d'un coup les attaques et les pillages contre les terres bourguignonnes. Parallèlement à la guerre contre l'Angleterre, on observe la poursuite de ces opérations dans le nord et l'est du royaume de France, majoritairement dans les États du duc de Bourgogne. Et il faut attendre le milieu des années 1440, qui sont marquées notamment par la réforme militaire de Charles VII, pour que ces divagations de troupes se résorbent. Ce phénomène est bien connu dans l'historiographie sous le nom d'écorcherie, d'après le nom donné par les sources contemporaines, les sources du XVe siècle, aux capitaines et gens de guerre pillards, liés pour la plupart à l'armée de Charles VII, et dont Antoine de Chabannes est un des chefs, à partir des années 1430-1435. Des chroniqueurs comme Jean Chartier, Enguerrand de Monstrelet, Olivier de la Marche, nous rapportent l'existence de ces écorcheurs et les actions d'Antoine de Chabannes. Chartier, mais aussi Monstrelet ou Thomas Bazin, indiquent que le thème d'écorcheur est d'origine populaire. Monstrelet nous dit plus précisément qu'ils avaient ce nom car ils pillaient et dépouillaient les gens tout honnêtes jusqu'à la chemise. Et Monstrelet précise aussi que ce terme d'écorcheur a pris la place de celui d'Armagnac, terme Armagnac qui domina pendant la guerre civile pour désigner le parti de Charles VII. Sauf exception dans les sources extérieures au royaume de France, la qualification d'Armagnac tend assez logiquement à tomber en désuétude après la paix d'Arras, à un terme désignant un parti politique, militaire et nobiliaire, se substitue donc le langage commun pour désigner ces faits de violence et de pillage dans des territoires généralement concernés par la paix. Alors on remarquera cependant que l'appellation d'écorcheur n'a pas le même succès dans les archives officielles royales ou bourguignonnes. La chancellerie royale française rejette assez catégoriquement l'appellation. Les chroniqueurs proches de Charles VII n'en parlent pas en y consacrant des développements très importants, hein, le Hérault Berry ou Guillaume Gruel éludent quasiment le phénomène. En revanche, les documents officiels bourguignons en font une très ample utilisation, à l'échelle locale des bailliages comme à celle des institutions centrales. Donc indubitablement, alors que la répression des pillages forme une préoccupation centrale dans le royaume de France et dans la production législative du roi de France concernant la guerre dans le royaume, l'écorcherie est, pour les Bourguignons, une cause récurrente de plaintes et de réclamations auprès de la royauté, d'où la diffusion assez marquante de ce terme dans les sources bourguignonnes. Alors, mon propos ici n'est pas d'envisager le phénomène de l'écorcherie dans sa globalité, mais seulement au travers de l'un de ses célèbres capitaines, Antoine de Chabannes, que la plupart des chroniques présentent comme un grand chef d'écorcheurs. À partir du témoignage de ces chroniques, à partir du témoignage des archives bourguignonnes, comment se caractérise l'action militaire d'Antoine de Chabannes pendant l'écorcherie? Quelles sont ses cibles et les espaces concernés? Et comment s'organise-t-elle parallèlement à son service dans l'armée royale de Charles VII? Et je tenterai de répondre à ces questions en exposant les liens et les réseaux personnels auxquels Chabannes appartient dans le cadre de son activité de capitaine royal et d'écorcheur, puis j'analyserai son itinéraire comme écorcheur et les motivations, si tant est qu'on puisse les saisir, qui l'ont poussé à s'investir dans l'écorcherie. Et puis, si j'ai le temps, à la fin, je parlerai de la réponse judiciaire du point de vue de la justice royale et aussi de la justice bourguignonne. Antoine de Chabannes naît en 1408 et meurt en 1488, et il a 27 ans au moment du traité d'Arras. Donc il est relativement jeune, jeune, mais il possède déjà une très solide expérience militaire qu'il a développée grâce à ses liens avec la maison de Bourbon, puis en rentrant directement au service du roi de France. Chabannes est originaire d'une famille noble du Limousin. Et d'ailleurs, dès 1425, il est page du duc de Bourbon, après avoir été lié au comte de Ventadour. Son frère Jacques de Chabannes est aussi lié au duc de Bourbon. Il est sénéchal du Bourbonnais quelques années plus tard. Et puis Antoine continue son petit bonhomme de chemin. Il participe à la bataille de Patay. Et en été 1429, premier office important, il est encore très jeune, mais il est nommé bailli de Troyes par Charles VII. Alors dans cette nomination, ses liens avec le duc de Bourbon ont peut-être joué, car le futur duc de Bourbon, Charles, qui est comte de Clermont à ce moment-là, obtient au même moment, et pour une courte durée, la capitainerie générale et le gouvernement de la Champagne. Quoi qu'il en soit, la fonction de bailli est importante. La ville de Troyes vient d'être acquise aux Armagnacs, elle n'a pas de capitaine, et tout cela renforce le rôle militaire du jeune Chabannes au début de la décennie 1430.
Et dès lors, sa carrière au service du roi est lancée. En 1433, il est capitaine de Creil et il mène avec la Hire des chevauchées contre les Anglo-Bourguignons en Artois et en Cambrésie, donc dans le nord du royaume. En 1435, il continue son activité militaire au service du roi de France. Il participe à la prise de Saint-Denis et à la reconquête de Paris. Il est évident que ces campagnes militaires favorisent le développement de liens avec d'autres capitaines royaux. Le professeur Contamine l'a bien démontré, il n'est pas utile de revenir dessus. Ces solidarités militaires et régionales se perpétuent après 1435, parmi les écorcheurs. Elles sont fondées sur des liens de sociabilité qui se nouent dans le contexte de la guerre du roi, mais qui ne s'y limitent pas. La majorité des opérations de Chabannes entre 1435 et 1445 est ainsi effectuée en coordination avec d'autres capitaines expérimentés. Les relations nouées par Chabannes à ce moment-là proviennent de fréquentations communes pendant les campagnes royales dans les années antérieures. Alors, un exemple parmi d'autres, le bâtard Chapelle que l'on retrouve plusieurs fois pendant l'écorcherie aux côtés d'Antoine de Chabannes. Chapelle est très probablement proche des capitaines bretons et du connétable de Richemont, et à la différence de Chabannes, il n'est pas originaire du centre du royaume, mais comme lui, il a acquis une expérience de guerre commune qui se perpétue pendant l'écorcherie. Alors néanmoins, il apparaît que les liens les plus solides se fondent sur des racines géographiques communes. Un exemple, Jean de Blanchefort. Jean de Blanchefort est le capitaine qui accompagne le plus régulièrement Antoine de Chabannes pendant les années 1430 et 1440. En 1433, il est aux côtés d'Antoine de Chabannes dans ses chevauchées en Artois et Cambrésie. Ensuite, il l'accompagne assez régulièrement, de 1435 à 1445, que ce soit pendant l'écorcherie ou lors des campagnes royales. Et tous les deux sont pragois, révoltés contre le roi pendant la Praguerie en 1440. Ils sont retenus en 1443-1444 dans un premier tri qui est effectué par le roi pour les capitaines royaux. Et puis finalement, ils sont mis de côté au moment de 1445 et de la création des compagnies de grande ordonnance. Alors pourquoi ce compagnonnage d'armes entre Blanchefort et Chabannes ? Ce sont des capitaines qui ont des origines proches, ce qui les pousse à s'intégrer au même réseau militaire, nobiliaire et politique. Tous deux gravitent dans l'orbite de la maison de Bourbon. Blanchefort est un Berrichon qui est aussi limousin par ses racines nobiliaires. Sa famille possède des seigneuries en Rouergue et en Auvergne. Et à la fin du XVe siècle, on voit Jean de Chabannes, petit-neveu d'Antoine de Chabannes, épouser une descendante directe de Blanchefort. Ainsi, on constate que la société militaire qui se forme au sein des campagnes royales tend à se perpétuer dans le cadre des pillages de l'écorcherie. Elle se maintient assez solidement pendant les divagations des capitaines royaux, puis elle se reforme et s'entretient lors de la mobilisation royale sur le front contre les Anglais, lors du siège de Meaux, par exemple, en 1439, lors du siège de Pontoise, en 1441, ou lors de la journée de Tartas, en 1442, qui sont des événements militaires importants auxquels Chabannes participe toujours. Cette société militaire, elle est naturellement renforcée par les réseaux nobiliaires et régionaux, comme le montre l'exemple du lien entre les Blanchefort et les Chabannes. Face à cela, à partir de 1435 et de la reconquête de Paris, le connétable de France, Arthur de Richemont, joue un rôle primordial dans ces processus de mobilisation des compagnies. À l'automne 1435, après avoir été démobilisé par le connétable, Chabannes répond de nouveau à l'appel de Richemont pour se rendre en Pays de Caux et à la prise de Dieppe. Il est d'ailleurs présent avec d'autres capitaines bretons, comme Chapelle et Olivier de Coëtivy. Et puis, il reste mobilisé sous les ordres de Richemont pendant l'ensemble des années 1436 et 1437. À ce moment-là, il a un titre, il est écuyer, et surtout, il est capitaine de gendarmes, selon les comptes de la trésorerie des guerres et des receveurs généraux des finances. À la fin de l'année 1438, c'est encore Richemont qui intervient dans la guerre de succession de Lorraine pour appuyer René d'Anjou et faire front aux opérations des mercenaires de Antoine de Vendémont, dont Chabannes fait partie. À la fin de l'été 1439, je vous le disais, présence de Chabannes au siège de Meaux, qui est commandé par le connétable. Présence de Chabannes à la prise ratée d'Avranches, à la fin de l'année, où on trouve aussi le connétable. On sait qu'en 1440, lors de la Praguerie, Chabannes aurait insisté pour que les révoltés laissent libre le connétable de Richemont. Ensuite, Chabannes est de retour dans les armées du roi et participe sous supervision du connétable à l'occupation de Louviers en Normandie. En 1441 et 1442, Chabannes est présent pendant la pacification de la Champagne par le connétable de Richemont, ainsi qu'au siège de Pontoise et au voyage de Tartas, etc., etc. Au total, le connétable de France a donc une fonction essentielle dans la mobilisation des capitaines royaux et le contrôle de leur divagation. Fonction qui s'appuie sur ses prérogatives militaires, ses prérogatives administratives, ses prérogatives judiciaires. Fonction qui est aussi entretenue grâce au rôle particulier
que le roi Charles VII confère à Richemont entre 1436 et 1442 pour la pacification des provinces reconquises, la pacification de la Champagne, la pacification de l'Île-de-France et le maintien de la discipline militaire. Et puis nul doute que cette fonction s'appuie aussi sur les liens interpersonnels qui sont noués entre capitaines autour du connétable et de ses gendarmes. Ces liens entre les capitaines et leur hiérarchie sont d'autant plus importants qu'après le traité d'Arras en 1435, le phénomène de l'écorcherie se caractérise par un éclatement des compagnies dans l'est du royaume. Et pour se livrer à leur chevauchée et au pillage, les écorcheurs tendent à se réunir autour de quelques figures de capitaines majeurs et pour beaucoup intégrés à l'armée royale, comme Antoine de Chabannes. Ils forment alors une série de troupes fragmentées, solidaires de ces capitaines. Ainsi, malgré la rupture provoquée par la fin de la guerre civile, 1435, la présence récurrente d'Antoine de Chabannes aux opérations de guerre contre les Anglais, jusqu'en 1445, montre la résistance des structures hiérarchiques de l'armée royale, en dépit de l'irrégularité du paiement des soldes. Elle illustre le jeu des réseaux personnels entre les gens de guerre, parallèlement aux réseaux princiers et nobiliaires. Pendant cette période, Chabannes ne perd jamais de vue ses attaches bourbonnaises, ses liens avec la maison de Bourbon, mais cela ne l'empêche pas de fonder les bases d'une carrière militaire au service de Charles VII, qui se traduit notamment par une intégration assez durable à partir de 1439 à l'hôtel royal. Tout ça lui permet, in fine, de se positionner comme l'un des officiers majeurs du règne de Charles VII, malgré des traversées du désert, évidemment, notamment en 1445-1446. Il est nommé assez vite grand pâtier de France, mais il n'obtient pas tout de suite de capitainerie de la grande ordonnance. Il a été écorcheur. C'est un peu difficile pour lui. Alors, maintenant, l'analyse des déplacements d'Antoine de Chabannes entre 1434 et 1445 permet d'appuyer ces différentes remarques. Pendant cette décennie, Chabannes reste extrêmement mobile et il alterne entre présence sur le front, contre les Anglais, notamment en Île-de-France, en Normandie et en Guyenne, et présence sur les marges orientales du royaume, donc vers la Lorraine, duché de Bar, la Lorraine, et surtout en Bourgogne. Alors j'ai essayé de reconstituer ces déplacements, alors évidemment c'est très fouillis, mais ça vous donne une idée de l'importance de cette mobilité. Je mets à part la présence de Chabannes à Niort, qui est liée à sa participation à la Praguerie en 1440. Est-ce que je vais trop vite, parce qu'on m'a demandé d'aller doucement, ou ça va? D'accord. Alors cette mobilité, elle n'a rien d'exceptionnel pour un capitaine pendant la guerre de Cent Ans. C'est une mobilité qui est facilitée d'abord par le soin donné à l'entretien des chevaux qui suivent les troupes. Alors il y a des chiffres sur le nombre de chevaux, notamment parmi les compagnies d'écorcheurs, chiffres qui peuvent être contestables parce que souvent ils sont issus des sources bourguignonnes qui ont tendance un peu, dans un contexte d'alarme, à amplifier les choses. On parle par exemple de 8000 écorcheurs à cheval avec Chabannes à Mâcon en 1443. Alors, il n'est pas à Mâcon, en fait. Il est dans le Bourbonnais, il est en train de menacer le Mâconnais. Et puis, alors ça, c'est issu des registres secrets de la ville de Mâcon. Mais les archives de la Chambre des comptes de Bourgogne ne mentionnent au même moment, concernant Chabannes, que 2000 à 4000 chevaux. Donc, bon, des chiffres assez incertains. Bon, on peut penser qu'il y avait beaucoup de chevaux qui les suivaient. Je vais passer sur ce point pour aller assez vite. Mais néanmoins, il est fort possible que les compagnies d'écorcheurs attachées à un capitaine particulier ne représentent pas d'effectifs extrêmement importants. Alors, par exemple, une enquête bourguignonne qui date de mai 1439 nous montre qu'Antoine de Chabannes assaillit un château, le château de Sauturne, dans le bailliage de Montcenis, donc à côté du bailliage d'Autun, avec 40 compagnons et gendarmes des traits des gens du roi. Dit cette enquête, ce qui n'est quand même pas une troupe extrêmement importante. D'ailleurs, il rencontre assez peu de résistance de la part du château, qui aurait abrité 80 hommes et 120 femmes. Cette mobilité des capitaines d'écorcheurs, et notamment de Chabannes, elle est accentuée par le fait qu'ils ne restent jamais plusieurs mois sur un même site. Les cas de longs hivernages dans une garnison en ville, dans une place forte, sont très rares. Pour Antoine de Chabannes, il y a bien des cas, notamment en hiver 1444-1445, Chabannes est en garnison pendant 5 mois, avec Blanchefort d'ailleurs, en Alsace, à Wangen puis à Einsiedheim, et il commande 6000 gens de guerre. Bon, mais il s'agit de circonstances très particulières qui sont liées à la guerre royale, à une campagne royale, une campagne delphinale, puisque vous le savez, hein, il s'agit de la campagne contre les cantons suisses, puis contre les Messins. Pour les chevauchés de l'écorcherie, Chabannes s'appuie rarement pendant longtemps sur une place particulière. Une enquête bourguignonne indique qu'il attaque en 1439, par exemple, la terre de Luxeuil,
qui est situé au nord du comté de Bourgogne, que l'on voit sur la carte, là. Alors ces gens brisent une église contenant des grains et des biens meubles, mais ils ne passent dans cette seigneurie que quelques semaines. En général, ça ne dépasse pas quelques semaines, ça ne va pas bien loin. Donc pour résumer, les pratiques militaires d'Antoine de Chabannes, capitaine royal et surtout capitaine d'écorcheur, se caractérisent par leur grande mobilité, et cette mobilité s'exerce à une double échelle. Vous avez d'abord des déplacements à l'échelle locale, avec des opérations de guerre qui reposent très classiquement sur un système de chevauchées, de razzias, et plus rarement, beaucoup plus rarement, sur des prises de places fortes. Alors on sait l'importance de cette stratégie militaire qui est fondée sur le rançonnement, sur les déplacements rapides, sur le harcèlement, que ce soit face aux Anglo-Bourguignons dans la première moitié du XVe siècle, que ce soit dans le cadre des guerres seigneuriales, comme l'a montré Justin Firnaber Baker, que ce soit dans le cadre de la seconde moitié du XIVe siècle, on a parlé tout à l'heure. C'est une stratégie qui a d'assez lourds impacts matériels et économiques sur les non-combattants et sur le plat pays, et à l'inverse, c'est un moyen de subsistance pour les combattants et pour leurs bêtes, et c'est surtout un moyen d'enrichissement pour les capitaines. À côté de ces déplacements, que je n'ai pas reproduit ici parce qu'ils sont assez compliqués à l'échelle locale, vous avez les déplacements à l'échelle du royaume, avec des oscillations entre les marges orientales et le centre-ouest ou le sud du royaume, au gré des contraintes de mobilisation sur le front, face aux Anglais, pour le roi. Alors ce sont des mouvements d'aller-retour qui ne conduisent pas Antoine de Chabannes à sacrifier ses devoirs relatifs au service militaire du roi. Qu'il y soit contraint ou qu'il le veuille bien, Chabannes est assez massivement présent sur le front pour la guerre du roi, entre 1434-1435 et 1445. Il est présent notamment en Normandie, au Pays de Caux, sur les frontières du Pays de Caux, en 1436 et 1437. Et puis ensuite, à partir de 1439, 1440, 1441, 1442, il est présent régulièrement pour des événements assez importants des campagnes royales. Et parallèlement, sa présence comme écorcheur ou comme mercenaire entre la Bourgogne et la Lorraine ne s'effectue que par courte période, avec une certaines importantes, j'y reviendrai tout à l'heure, entre en 1438 et début 1439, qui est lié notamment à la guerre de succession de Lorraine et à son engagement comme mercenaire auprès d'Antoine de Vaudémont. Et puis il y a un autre épisode aussi, c'est une campagne de pillage, une chevauchée qu'il mène en Champagne en 1437. Et puis parallèlement à ces années importantes, on voit des petites incursions dans le duché et le comté de Bourgogne en 1443 et 1444. Donc des mouvements de balanciers qui partagent la vie militaire du capitaine entre la guerre du roi et des opérations annexes, mouvements de balanciers qui sont assez classiques, qui ne sont pas du tout spécifiques au cas d'Antoine de Chabannes, les déplacements de Jean de Blanchefort que le professeur Contamine a étudié dans sa thèse démontrent cette même versatilité entre le front et les opérations d'écorcherie, et versatilité qui en plus est agrandi par le fait, enfin qui est enrichi par le fait que Blanchefort accompagne volontiers Chabannes. Et puis j'ai pu reconstituer l'itinéraire d'un célèbre routier, Roderick de Villandrandeau, dans les années 1427 jusqu'en 1439, où l'on voit, avec certaines modalités un peu différentes, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, où l'on voit un partage semblable des opérations militaires entre des campagnes royales en Ile-de-France, notamment Lagny en 1432, on pourrait citer aussi la bataille d'Anton en 1430, ou en Guyenne aussi, évidemment, 1438, 1439, et parallèlement des actions qui sont liées à la vie autonome de la compagnie et au réseau nobiliaire de Villandrandeau, avec une polarisation dans le centre du royaume qui est tout à fait logique, puisque Villandrandeau a développé beaucoup de liens avec les maisons de Rouergue et de Bourbon. Alors pour Antoine de Chabannes, cette écorcherie, finalement, elle n'a rien d'une activité permanente. Le capitaine s'y livre ponctuellement, de façon isolée ou soutenue par d'autres capitaines qu'il connaît. C'est une activité qui est assez ponctuelle et qui ne lui empêche pas, même après la révolte de la Pragerie, de conserver une certaine proximité avec l'hôtel du roi. 1439, je vous le disais tout à l'heure, il est écuyer d'écurie de Charles VII. C'est aussi cette année-là qu'il se marie avec Marguerite de Nanteuil, ce qui lui donne ce beau comté de Dammartin. Et puis en mai 1444, il est conseiller et chambellan du roi et il est nommé grand panetier de France en 1445 et 1447. Malgré sa mise à l'écart temporaire comme capitaine de l'ordonnance. On sait aussi qu'il continue à dormir auprès du roi en 1446. Et puis il révèle finalement cette conspiration contre Pierre de Brézé. Bon, et il décide de lâcher le dauphin, mais ça c'est une autre affaire. Donc pour Chabannes, l'épisode de l'écorcherie ne forme pas une rupture complète dans la vie militaire et politique du capitaine. Elle ne constitue qu'une série de moments particuliers pendant lesquels Antoine veille à ne pas rompre complètement avec les réseaux nobiliaires, royaux et militaires, qui jusque-là ont assuré le succès de sa carrière. L'analyse de
L'activité d'écorcheur d'Antoine de Chabannes permet de montrer qu'elle n'était jamais véritablement dépourvue de motivation. Motivation financière, motivation militaire et peut-être aussi motivation politique. Et je vais essayer d'expliquer, dans la mesure du possible, ces objectifs maintenant. Alors je vous présente ici une carte des opérations militaires et des pillages d'Antoine de Chabannes. Carte qui illustre déjà, je pense, l'ampleur des zones concernées par l'action d'Antoine de Chabannes dans le royaume et puis sur les frontières du royaume, sur les marges. En rouge, vous avez, alors je sais que c'est pas très lisible et je m'en excuse, et malheureusement on ne peut pas faire de zoom sur le PowerPoint. Donc bon, est-ce que vous arrivez à voir. En rouge, donc notamment en Île-de-France, vous avez, vous voyez rien du tout, hein, j'imagine. Attendez. Alors attendez, je vais me lever. Tu as pas un... Ah non mais c'est pas, je vais faire un peu comme à la météo. Donc en rouge, vous avez les lieux où Chabannes a eu un rôle militaire particulier. Alors j'ai pas situé les lieux en Normandie, sur les bordures de la Normandie et la Guyenne. Et en bleu, les lieux où Chabannes est passé et a réalisé des pillages. Notamment ici, et puis beaucoup, hein, en Bourgogne, dans le comté aussi. J'y reviendrai, ici aussi vers Luxeuil, et sur les marches du duché de Lorraine, l'Alsace, vers Bâle, le Barrois. Et puis j'ai indiqué aussi ici des places qui sont importantes, Chavroche, La Palisse et Montaigu-le-Blain, qui sont des places importantes parce qu'elles appartiennent aux Chabannes. Et on est ici en Bourbonnais, sur les bordures du Nivernois et du Charolais. Alors comment expliquer le passage de Chabannes par ces différentes places, la localisation de ces pillages. Je vais essayer de donner des éléments d'explication. Alors d'abord, il y a les zones de passage. Ces zones de passage, elles sont plus ou moins larges, et elles sont l'occasion pour le capitaine de se livrer à un pillage qui a avant tout une logique économique. Alors il s'agit de ravitailler la compagnie, il s'agit aussi de s'enrichir sur le pays, et il y a une zone de passage qui est assez importante dans l'itinéraire de Chabannes, c'est la Champagne. Importante par sa surface, pas importante par sa fréquentation, puisque Chabannes y a peut-être été en 1435, mais ce n'est pas tout à fait confirmé par les sources. Par contre, il y est en 1437, et en 1437, il se livre à une chevauchée très large, qui est répétée d'ailleurs, enfin précisée par Monstrelet, puisqu'il part du pays de Caux, où il était en garnison, il remonte vers le Vimeux, le Ponthieu, la Somme, le Cambrésis, le comté de Hainaut, je les ai mis en bleu, pour arriver ensuite en Champagne et finir très probablement en Lorraine, cette large chevauchée. Chevauchée qu'il accomplit avec d'autres capitaines armagnacs et qui a une ampleur quand même assez significative. Chevauchée dont on peut se demander s'il n'y avait pas aussi des raisons politiques et militaires qui rejoignaient les motifs pécuniaires. Alors, je suis Monstrelet. Les écorcheurs logent dans des villages qui appartiennent au comte de Saint-Paul, qui est le jeune Louis de Luxembourg, puis ensuite ils traversent les terres de Jean de Luxembourg, comte de Ligny. Alors Jean de Luxembourg, il était alors bien mal vu de Charles VII, puisqu'il n'avait pas juré le traité d'Arras, comme le précise Monstrelet dans son texte, et puis Louis de Luxembourg était lui-même très proche de son oncle Jean, ce qui n'arrangeait pas sa faveur auprès du roi, donc on peut penser qu'ils ont peut-être voulu un petit peu embêter la maison de Luxembourg au passage. Bon, quoi qu'il en soit, finalement, Chabannes ne se concentre pas véritablement dans cette partie nord du royaume, dans cette Champagne qui aurait été l'une des régions à l'origine du développement, enfin qui a été l'une des régions à l'origine du développement des écorcheurs à partir de l'année fin 1435, début 1436. Il concentre l'essentiel de son activité au sud, en 1438 et 1439, c'est-à-dire dans les états méridionaux du duc de Bourgogne, le duché, le comté notamment, et puis ensuite un peu plus à l'est vers la Lorraine et l'Alsace. Il y a des zones ici privilégiées par Chabannes, qui sont des zones de passage notamment, et qui sont des zones qui sont dues à sa fréquentation assez régulière du comté de Vaudémont et des marges de la Lorraine à partir de 1437. 1437, selon Monstrelet, c'est l'année pendant laquelle Antoine de Chabannes s'engage comme mercenaire auprès du comte de Vaudémont, et le comte de Vaudémont lui donne une place à commander, qui est la place de Vézelise, qui est situé ici, qu'il va d'ailleurs occuper jusqu'au début des années 1439. Alors, de l'année 1439, on est dans une période qui est marquée 1438 jusqu'à l'été 1439, avec l'échec des conférences de paix de Gravelines, période qui est marquée par un relatif essoufflement des opérations militaires sur le front anglais.
De nombreux capitaines royaux en profitent pour se tourner vers les frontières est du royaume, où la guerre entre Antoine de Vaudémont et René d'Anjou est en train de reprendre. Et certains choisissent de s'engager comme mercenaires au service du comte de Vaudémont. C'est le cas de Blanchefort, c'est le cas de Chabannes. Et là, ils saisissent évidemment une opportunité financière. On voit qu'en 1438, d'ailleurs, Chabannes reçoit de l'argent, 800 florins, 150 écus d'or, de la part du comte de Vaudémont. Alors, dans le cadre de cette guerre de succession de Lorraine, Chabannes évite toute bataille rangée. Il se livre à des chevauchées, à des razzias, notamment sur les, pour les terres de René d'Anjou, sur les marges de la Lorraine et du duché de Bar, et puis aussi des répercussions vers l'Alsace. Mais tout ça, finalement, ne va pas très loin. Antoine de Chabannes se désengage assez vite, dès les premiers mois de 1439, du service de Vaudémont, sur les demandes personnelles du roi de France et du duc de Bourbon. Donc finalement, l'activité de mercenaire de Chabannes, elle existe, mais elle n'est pas bien longue, et elle se résume finalement quand même à assez peu de choses. Alors en revanche, la présence de Chabannes en 1438, 1439 vers la Lorraine, le rapproche des terres bourguignonnes, du duché de Bourgogne, du comté de Bourgogne, et puis aussi d'une certaine façon de ces terres bourbonnaises qui sont importantes à cette époque-là, puisque Jacques de Chabannes, qui est son frère, tient le château de la Palisse et de Montégulblain, et en 1438, le duc de Bourbon donne à Antoine de Chabannes la capitainerie et les revenus de cette capitainerie de Chavroche, qui est juste à côté, au nord. Donc on est en Bourbonnais, et les Chabannes se constituent à cette époque-là, au moment de l'écorcherie, une zone d'influence à quelques dizaines de kilomètres des limites du Charolais et du Nivernais. Et c'est un des facteurs qui peut peut-être contribuer à expliquer les multiples incursions d'Antoine de Chabannes dans ces régions bourguignonnes, vers le Nivernais, vers le Charolais, puis ensuite un peu plus vers l'Autunois et le bailliage de Montsénis, dans les années 1438 et au début de l'année 1439. Et puis il traverse aussi, depuis la Lorraine, le comté et le duché, j'en perds mon latin, pour se rendre en Bourbonnais. Bon, tout ça lui permet d'avoir quand même d'obtenir d'assez gros avantages financiers. On sait qu'en 1438, les États de Bourgogne se réunissent et promettent, par exemple, 2500 saluts d'or à Antoine de Chabannes, à condition qu'il quitte le pays pendant un an, ce qu'il ne fera pas du tout. Alors, ces chevauchées, à côté des avantages financiers, à côté de la vie sur le pays, avaient-elles des fondements politiques liés, après le traité d'Arras, à l'expansion territoriale des ducs de Bourgogne, au nord et à l'est du royaume de France? Alors, il y a certainement quelques cibles qui ne sont pas choisies au hasard, c'est une hypothèse de ma part, mais bon. Notamment en 1439 et 1444, il y a une multiplication des attaques contre la seigneurie de Luxeuil, qui se situe au nord du comté de Bourgogne, la seigneurie de Luxeuil, de la part de Chabannes et d'autres capitaines armagnacs qui ne se privent pas de marquer leur empreinte sur cette terre stratégique. Stratégique car elle est située sur les bordures nord du comté de Bourgogne et elle a fait l'objet d'un article spécifique dans le traité d'Arras en septembre 1435, article par lequel Charles VII concède, abandonne, sur la demande de Philippe le Bon, la garde de l'abbaye de Luxeuil et tous les droits afférents. Tout cela malgré les revendications répétées des rois de France sur Luxeuil. Alors pourquoi cette importance pour les bourguignons de Luxeuil? Eh bien Luxeuil était une place stratégique car elle reliait pour les ducs de Bourgogne, le duché et le comté vers les Pays-Bas, c'est-à-dire vers les états septentrionaux du duc, par une route qui contourne la Champagne et qui passe ensuite par le duché de Luxembourg, sur lequel les bourguignons mettent la main en 1443. Alors je terminerai cet aperçu en évoquant un dernier aspect des opérations militaires du capitaine Antoine de Chabannes en Bourgogne, celui des rivalités seigneuriales, qui est un autre facteur assez important pour essayer de comprendre ses menées armées et sa présence en Bourgogne et sur les bordures de la Bourgogne à cette période. En effet, à partir de 1438, Antoine de Chabannes développe une véritable petite guerre seigneuriale avec Jean de Grandson, seigneur de Pemmes, dans le comté de Bourgogne. Alors Pemmes est situé juste au-dessus du mot comté sur la carte. C'est une querelle qui part de pas grand-chose, mais qui entraîne des actes de vengeance, qui ont des conséquences directes sur les possessions des Chabannes à proximité de la Bourgogne, notamment le château de Montégulblain, le Blain, en Bourbonnais, et qui se termine quand même en 1443 à Dijon, à la cour du duc de Bourgogne, avec la présence personnelle du duc de Bourbon et du duc de Bourgogne pour essayer de stopper l'affaire. Donc il y a quand même des résonances politiques fortes. Alors Jean de Grandson, ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas n'importe quel noble et capitaine bourguignon. Son aïeul, Hôte de Grandson, figurait déjà dans la première moitié du XIVe siècle comme l'un des chevaliers combattants pour le duc de Bourgogne. Et en 1433, Jean de Grandson s'était marié avec Jeanne de Toulonjon, la fille du maréchal de Bourgogne Antoine de Toulonjon, qui est le grand vainqueur de René d'Anjou à la bataille de Bulnéville
en juillet 1431. Et puis par ailleurs, c'est un capitaine assez actif au service du duc de Bourgogne. En 1438, Antoine de Chabannes passe par le comté de Bourgogne, il revient de Lorraine et il s'attaque au seigneur, aux terres du seigneur de Pemmes, donc Jean de Grandson, à Pemmes. Il ne se limite pas à ça, puisqu'ensuite il fait prisonnier Jean de Grandson la même année à Nolay, en Bourgogne, et puis il l'emmène dans son château de Montégulblain, enfin dans le château des Chabannes, pour en tirer une rançon. Alors tout cela engendre des frais assez importants, que Grandson évalue dans un procès à 8000 florins d'or. Bon. Et puis ensuite, Chabannes, bon, je ne vais pas dire qu'il désaffecte la Bourgogne, c'est faux, mais il y est beaucoup moins présent. Il est occupé par différentes opérations, notamment le siège de Meaux. Et tout cela fait qu'il est moins présent. Et Grandson, qui a été libéré entre-temps, va en profiter pour se venger. Il va mettre sur pied une détrousse des Chabannes. Et puis surtout, en 1442, il réussit à prendre d'assaut, par surprise, à l'échelle, le château de Montégulblain. Et il ne se limite pas à ça, il saccage tous les biens présents au château, et puis il fait prisonnier les fils de Jacques de Chabannes. Antoine de Chabannes réagit en voulant lui aussi se venger, et à son retour de Guyenne, au tout début de l'année 1443, il s'arrête avec sa compagnie sur les bordures du Mâconnais, c'est à ce moment-là que Mâcon s'affole et voit 8000 chevaux, ce qui est peut-être possible, avec Chabannes, menacer le sud de la Bourgogne et avoir des revendications vis-à-vis de Grandson. Finalement, il est arrêté militairement à Époisses, donc on est dans le nord du duché de Bourgogne, vers l'Auxois, par Thibaut de Neuchâtel. Et finalement, alors vous voyez que cette querelle, elle est en train de dégénérer complètement en guerre seigneuriale, eh bien, cette affaire se termine à Dijon, en la présence de Philippe le Bon et du duc de Bourbon, sur intervention personnelle du duc et de la duchesse de Bourgogne, qui se font restituer les prisonniers, les fils de Chabannes, et bon, finalement, l'affaire s'arrête là. Bon, néanmoins, cette affaire, elle révèle en quoi les actions de pillage s'associaient aux rivalités nobilières. Ces rivalités pouvaient facilement glisser en guerre seigneuriale, qui impliquait les différents réseaux soutenant les protagonistes, et tout cela renforçait la densité des actions militaires en Bourgogne et dans ses marges. À ce titre, on peut considérer que l'écorcherie, loin d'apparaître pour un capitaine tel qu'Antoine de Chabannes comme une décennie continue de pillage anarchique, se fonda en réalité sur des actions relativement circonstanciées, et elle résultait d'un faisceau de facteurs, économiques, financiers, militaires, peut-être aussi politiques et nobilières, qui étaient susceptibles de motiver ou de justifier les opérations de guerre. Alors j'aurais voulu maintenant aborder la réaction de la justice royale et de la justice bourguignonne face à ce phénomène de l'écorcherie et face aux actions de Chabannes, mais j'ai peur que le temps soit très réduit, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc sinon on peut réserver ça éventuellement pour des questions dans le cadre de la discussion. Alors je vais résumer les choses en disant que du point de vue de la justice royale, il n'y a pas manifestement, lorsqu'on étudie les sources, de répression sévère des actes de pillage des capitaines royaux qui participent à l'écorcherie. Il y a des lettres qui sont promulguées de la part de Charles VII en 1438 et qui sont renouvelées en 1442, qui interdisent Chabannes et d'autres écorcheurs de se livrer à leur pillage dans le duché et dans les terres de Philippe le Bon. Mais ça n'est pas suivi hein, d'une volonté de répression très forte. Dès 1436, on voit les Bourguignons envoyer un mémoire, le Conseil de Dijon, si je ne me trompe pas, envoyer un mémoire à la cour de Charles VII pour demander des punitions sur la base des ordonnances qui se multiplient depuis le XIVe siècle pour réprimer le pillage dans le royaume, et notamment en temps de paix, mais il n'y a pas véritablement de répression forte, en tout cas pour la Bourgogne. Pour d'autres régions, c'est différent. Je n'ai pas le temps d'en parler. On pourrait parler du Poitou en 1431, on pourrait parler de la région parisienne et de la Champagne dans les années 1436-1441, sans parler de la Saintonge après la Praguerie, mais bon. Et même de la guerre de succession de Lorraine, puisqu'en mars 1441, il y a une ordonnance de Charles VII qui est destinée spécialement à régler les relations entre les gens de guerre royaux et ceux des duchés de Lorraine et de Bar. Et puis évidemment, il y a la grande ordonnance de novembre 1439, mais qui ne vise pas précisément la Bourgogne. Bon. Face à cela,
on ne peut pas considérer donc qu'il y ait une volonté répressive stricte de la part de Charles VII vis-à-vis de ce phénomène de l'écarcherie. Néanmoins, il est évident que le phénomène de l'écarcherie a très certainement poussé Charles VII à promouvoir une plus stricte discipline militaire, un contrôle accru sur la mobilisation et les actes des capitaines de gens de guerre, et donc à favoriser la réforme de l'armée et les sélections qui ont eu lieu dans les années 1445. Alors qu'en était-il pour les autorités bourguignonnes ? Mobilisation importante de la part des institutions civiles et militaires du duché de Bourgogne, on pourrait en parler, j'en ai pas le temps, et parallèlement à cette mobilisation, des enquêtes judiciaires, des informations judiciaires qui sont demandées assez rarement, mais de façon significative, par le duc de Bourgogne ou par les autorités bourguignonnes, le conseil, à des dates qui sont importantes. Et qui font que ces enquêtes, on en a parlé tout à l'heure de l'importance des enquêtes, des informations judiciaires, ont un retentissement politique et diplomatique qui est à mon avis assez important. En 1438, Philippe le Bon fait ordonner une information judiciaire contre les pillards dans le duché. On est juste après les lettres royaux de septembre 1438 qui demandent d'arrêter les capitaines royaux pilleurs. En 1442, alors que le duc de Bourgogne joue un rôle essentiel dans la conférence de Nevers, qui réunit les princes mécontents du gouvernement du royaume, et la conférence de Nevers prône une régulation de la violence, l'arrêt des pillages, le retour à la paix, eh bien, au même moment, hiver 1442, Philippe le Bon commandite une autre information judiciaire contre les compagnies du roi et du dauphin en Bourgogne, et puis encore une troisième en 1444-1445, fin de l'année 1444, début de l'année 1445, alors que le duc de Bourgogne est en pleine négociation avec Charles VII pour régler le problème des apaties, pour décider du vinement des garnisons qui sont tenues par le roi près du comté de Bourgogne, et pour régler le problème de la rançon qui est due par René d'Anjou à Philippe le Bon. Et d'ailleurs, ce sont les conventions de Champagne, de Châlons-en-Champagne, excusez-moi, en juin 1445, qui impliquent la duchesse de Bourgogne, qui mettent définitivement un terme à ces questions. Et à partir de ce moment-là, on n'entend plus du tout parler des écorcheurs, en tout cas de façon significative, dans les sources bourguignonnes. Et au même moment, eh bien, Philippe le Bon demande une enquête, une information judiciaire contre les écorcheurs, contre Chabannes, contre tous ceux qui ont fait des dommages, justement, à Luxeuil, dans le cadre de la campagne contre les Suisses. Donc j'arrive à ma conclusion. Je vous prie de m'excuser pour mon léger retard. Donc en conclusion, l'écorcherie ne représente pas seulement un ensemble de pillages et d'opérations militaires, dont je pense qu'il faut souligner le caractère assez discontinu et variable entre 1435 et 1445. L'écorcherie est aussi un phénomène aux résonances politiques et diplomatiques, un phénomène qui s'inscrit à la suite du règlement de la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons, au lendemain des négociations du traité d'Arras, et à ce titre, l'écorcherie joue un rôle indéniable dans les relations du duc de Bourgogne, prince extrêmement important à cette époque-là, et le roi de France. Maintenant, si on regarde les capitaines d'écorcheurs, comme Antoine de Chabannes, eh bien, pour ces capitaines d'écorcheurs, l'écorcherie, c'est une occasion de s'enrichir, c'est une occasion de nourrir ses troupes, entre les campagnes royales, le tout, il faut bien le dire, dans une relative impunité. Et c'est aussi pour Chabannes, je pense, d'une certaine façon, hein, je ne tiens pas à trop appuyer les choses, mais je pense que c'est aussi le moyen d'éprouver une influence locale dans des terres proches du Bourbonnais, ou de construire des solidarités militaires, on l'a vu tout à l'heure, sans pour autant renier véritablement le principe du service militaire du roi. Au total, l'écorcherie démontre l'attractivité de la carrière royale pour un capitaine. Antoine de Chabannes, qu'il y soit contraint ou qu'il y soit poussé, qu'il le veuille bien, ne dérive jamais véritablement dans une carrière de mercenaire ou d'entrepreneur de guerre. Ses activités d'écorcheur restent ponctuelles, parfois même interstitielles à partir des années 1440, même au moment de sa participation à la Praguerie, qui d'ailleurs est fermement réprimée par le roi. Finalement, l'écorcherie, pour Chabannes, c'est une activité qui est importante, mais qui reste quand même, sur l'ensemble de la période, assez périphérique, et la contrainte ou l'attrait exercé par l'exigence de service du roi ne se dément pas entre 1435 et 1445, même si en 1445 il perd, enfin il n'est pas sélectionné, mais enfin il le sera au début des années 1450 et sera ensuite le capitaine que l'on sait sous Charles VII. En ce sens, à la veille des réformes de 1445, les structures militaires, politiques et hiérarchiques qui fondent l'intégration à l'armée royale apparaissent bien implantées au sein de la noblesse moyenne à laquelle appartient Antoine de Chabannes. Voilà, je vous remercie.